Salut à tous les amis, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur la ferme industrielle. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas mal. Alors aujourd'hui au programme, on a toujours notre ouvrier qui est en train de moissonner le champ de blé. Et nous on va pas s'occuper de ça aujourd'hui. On va aller on va prendre ce petit tracteur là. Pourquoi je voulais faire, je sais pas. Mais laisse te plaît, voilà. On va prendre la masse. Et on va aller direction le fer. Puisque on va déjà aller faire des bottes de quoi pour les vaches en premier temps, et après on reviendra chercher les bottes de taille ici pour les rayonner à l'autre terme directement. Enfin, ça va laisser le temps, oh. Ça va laisser le temps à l'oublier de finir le champ. Bon, par contre, il va falloir mettre un deuxième mode. Après, bon, ça va le faire pour faucher le champ, mais à l'avenir, on ici que je tourne. Normalement on a un petit peu d'herbe dans ce bah, dans le champ. Après on va pas avoir énormément de choses. Honnêtement. Ce que j'aurais voulu faire moi. Oh, il y a du monde. Oh, on va changer un peu à prendre ça. Voilà. On va changer un peu notre rituel. Du coup, ils ont besoin de quoi? Je crois que c'est bien. Ils ont du foin. Ouais, c'est du foin qu'il leur faut. Ah, maintenant, pour les deux. Ah, mais non, pour la ration, pour... Je vais juste faire du jus. Si je me demande faire du jus. Je vais juste aller vérifier un truc. Enfin, ouais, ça va être pire. En vrai, on fait des rations avec ça. Ça coûte 66 000 euros. Attendez, une meilleure jeu. Merde. 45 000 euros pour 22 tonnes et là. Hein? Et voilà, il est plus cher que. Bon, du coup, on va faire du foin. On va aller faire un petit peu de foin. Alors, hop. On va laisser ça là. Voilà, je peux pas faire deux fois. Je vais pas ramener la presse. J'aurais dû ramener la presse. Mince. Oh la mine. Déjà, on va éviter des terres. J'ai pas envie d'appeler ce ami. Bien, c'est pas grave, je vais mettre ma gueule dans la vague, je vais faire des terres. Je vais vous le mettre, je vais faire comme ça. Je vais faire pas de temps là-dessus. Si tu veux bien, évidemment. Et s'il te plaît, dis-moi que je veux. Ok, ah, enfin.
Voilà. Nous à coucher. Là. Alors évidemment, on va en avoir énormément. Thank you.
Voilà. Sur le point de vue, quoi. C'est sûr qu'on va en avoir besoin. Au pire, on le prend. Et je reviendrai avec la peine de nouveau des moutons pour venir le chercher. Mais là, c'est pas... Ah, attention. Toujours les choses bien. Une beaucoup mieux. Allez, go. On a fini ici. Ah, il a l'impression que c'est possible. Ah, bah peut-être qu'on va trouver la taille ici au pire. On va voir. C'est un peu de la taille d'ailleurs. On va en avoir quantité. Surtout, on va peut-être prendre ces bâtiments-là à la place. J'arrive. J'arrive, monsieur l'ouvrier. Directement mis le plateau à la ferme là-bas. Ça va être aussi simple. Faudrait juste qu'on ramène par contre pour pas faire trop de. Ça serait ce plateau-là, il reste là-bas. C'est comme le DSO, il reste à la ferme de vache. On ramène pour un jet. On a tout ça à faire pour la ferme de vache, pour la mélanger. Et je me demande. Si on vendra pas que les escrocs, peut-être, et arracher le même massif que pour le terme. Ça nous fera 3 tracteurs, 3 tracteurs pour le terme. On sera bien. On va pas mettre ça là, parce qu'on va pas pouvoir passer comme au sinon pour la rentrer. Après, ce qui va peut-être intéresser aussi, c'est de racheter un autre. On a deux mots, hop. Ok, je vais enlever le bon truc. Voilà. Lui, on va le ramener à la ferme du coup. C'est forcément tout ce qui va passer. La route est juste là. Oh, c'est malin ça. Pas chaud. Elle n'a pas fait le chemin du tout. Si le chemin est derrière. Ah, ça reste pas. Je vais passer entre les jambes. Loupé. Loupé de chez loupé. Par contre, ce qui est toujours un peu embêtant, c'est que dans le prochain épisode, on aura encore de la paille à faire. On va coucher avec notre paille. Hop. Je vais voir si j'ai le temps d'essayer de la presser. Je vous garantis rien. Normalement, ça aurait. Un bon début. Il dépend si j'ai le temps. Je ne vais pas trop m'avancer là-dessus. Ah non, non, non. Ah,
Ah ouais, j'avais un truc qui cachait mon écran. J'avais pas vu qu'on avait puissance. Mince. Comment on fait donc? Voilà, c'est embêtant, hein. Ah, j'en ai plus. Bah, attendez. Bon, on va s'en méfier, hein. Mais non, pas vraiment. Je suis là. Oui, ça va marcher, non? Vous croyez qu'il va plus de sens, là? Alors, niveau RP, on n'est pas bon du tout, hein. Évidemment. On peut pas acheter l'essence ici. Mais par contre, on peut faire autre chose. Tac. On va y aller. Oui. Si on remet lui là. Et là, je peux acheter le... Non, mais il faut que le véhicule soit... on va faire tout ça. Remplir le véhicule, tac. Prendre du Z. Ok. Et là, on fait autre chose, c'est que, on regarde le prix 468 pieds. Donc 468 et les ailes coûtent, Ah, c'est chiant, on va pas mettre des prix sérieux. Admettons, je sais pas, on se fait le diesel à combien? Allez, un 30. Admettons. Donc 460 multiplié par un 30. Ça fait 600 euros. J'ai arrondi parce que ça fait 590. Donc on avait 600. Voilà. Donc ça c'est fait. Moi je reviens ma masse par contre. Mise du mauvais sens. Là. Bon, bah, nous, les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça coûte rien et ça coûte toujours aider. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et ciao tout le monde.